okay, I'm well aware that this is not a talent, but this is like the only thing that I can do. I have double jointed elbows, so. No. Oh man. Yeah, they're weird. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle épisode de Learn French with Stories. Aujourd'hui, on va se pencher sur une artiste qui a capté l'intérêt du public et influencé l'industrie musicale, la culture populaire et la politique grâce à son art, ses chansons et son esprit d'entreprise. Taylor Swift. Taylor Swift est apparue sur la scène musicale en 2006 avec son premier album de musique country, Taylor Swift, avec des tubes comme Our Song et Teardrops on My Guitar qui ont remporté un grand succès à la radio. Elle s'est rapidement fait connaître grâce à son album Fearless, sorti en 2008, et a remporté 4 Grammy Awards, dont celui de l'album de l'année en 2010. À 20 ans, elle a été la plus jeune artiste à avoir remporté l'album de l'année. Un record battu par Billie Eilish, qui a remporté le prix en 2020 à l'âge de 18 ans. Les albums suivants de Taylor, Speak Now et Red, ont introduit une complexité émotionnelle et musicale plus profonde. Mais c'est en 2014, avec 1989, que Taylor a achevé sa transition de la country à la pop. L'album a été acclamé par la critique et a remporté l'album de l'année au Grammy 2016, faisant de Taylor la première artiste féminine à remporter ce prix 2 fois. Après le succès synth-pop de 1989, Taylor a pris un tournant dramatique avec Reputation en 2017. Cet album reflétait sa confrontation avec l'examen généralisé des médias et les critiques du public, mettant en avant un son plus sombre et plus audacieux. Reputation a été à la fois un succès commercial et une déclaration provocante de résilience, démontrant sa capacité à transformer l'adversité en force artistique. Taylor est passée à un son plus lumineux et plus entraînant avec son album 2019 Lover, célébré pour son esthétique colorée et ses thèmes romantiques. La promotion de l'album était prévue avec le Loverfest, une ambitieuse tournée de type festival qui promettait une expérience de concert unique. Cependant, l'apparition de la pandémie de COVID-19 a forcé l'annulation de toutes les dates prévues, laissant les fans et Taylor elle-même déçus de l'occasion perdue de célébrer l'album ensemble dans un cadre live. En 2020, au milieu de la pandémie mondiale, Taylor a fait un saut créatif avec la sortie surprise de Folklore, suivie plus tard par Evermore. Ces albums ont marqué une rupture significative avec les thèmes personnels et souvent autobiographiques, typiques de son travail précédent. Au lieu de cela, Taylor s'est aventurée dans le domaine de la narration fictive, tissant des récits complexes et de riches esquisses de personnages dans ses chansons. Ces albums ont non seulement été acclamés par la critique pour leur complexité lyrique et leur profondeur musicale, mais ils ont également permis à Taylor d'expérimenter de nouveaux genres, solidifiant son statut d'artiste polyvalente et adaptative. Folklore a valu à Taylor un 3e Grammy de l'album de l'année en 2021. Dans un moment charnière pour Taylor et l'industrie musicale, ses masters originaux ont été vendus en 2019, sans qu'elle ait la possibilité de les acheter. Une situation qui a déclenché une vaste discussion publique et industrielle sur les droits des artistes et la propriété de la musique. Cela a conduit Taylor à entreprendre un projet ambitieux et sans précédent pour réenregistrer ses 6 premiers albums, en s'assurant de pouvoir posséder ses nouvelles versions. Le premier de ces réenregistrements, Fearless, Taylor's Version, est sorti en 2021. Chaque album comprend non seulement toutes les chansons originales, mais aussi des chansons supplémentaires, From the Vault, qui n'avaient pas fait partie des sorties initiales. Le projet a été à la fois un succès commercial et un chouchou de la critique, salué pour sa qualité et la réappropriation avisée de son œuvre par Taylor. Merci d'avoir regardé la première partie. Et j'espère que vous reviendrez la semaine prochaine pour la deuxième partie de Learn French with Stories, Taylor Swift. Shake it off?